And back. Cette énergie-là vient de la musique elle-même. Je pense pas qu'on applique une énergie sur la musique. Les notes elles-mêmes devenaient un aspect physique. Et comme chef d'orchestre, le fait de par des gestes, illustrer cette musique, guider cette musique, et comme Giulini disait, la tenir entre nos bras, entre nos mains. C'est ce qui fait aussi que je me mets jamais de barrière là-dessus non plus. C'est sûr que des fois, je me dis c'est mieux si je garde un peu d'énergie pour être sûr d'en donner plus un peu plus tard, mais c'est très rare que je conscientise ça parce que c'est le degré d'intensité de l'acte de faire de la musique qui me donne ce carburant. C'est comme une action-réaction immédiate. Ce que je comprends, c'est que l'être humain, comme toute chose, est fait d'équilibre. Il y a toujours un yin et un yang, il y a toujours un noir et un blanc, il y a toujours un positif, un négatif, il y a l'espoir et le doute. Et étant une personne moi-même extrêmement choyée par la vie, extrêmement heureux et foncièrement optimiste, je me pose souvent la question, qu'est-ce qui fait que je suis si attiré par des œuvres qui ont à voir avec les derniers jours, la mort, la souffrance, la tristesse. Que je me sens, je suis pas très grand, je suis pas très vieux, et je me sens encore comme le petit garçon qui veut dompter cette centaine de lions autour, et qui est très différent de ça. Quand je dis dompter, je veux dire apprivoiser. Tout ce qui est spirituel en musique est quelque chose qui d'abord part de l'être humain, dans ce qu'il est profondément. Je vois ça presque comme des chevaux qui nous délivrent de l'enfer, comme toutes les cloches du monde ensemble.